Hello les amis, on se retrouve de nouveau dans Assassin's Creed Valhalla. On est parti pour continuer la suite de l'histoire. Alors, on s'était arrêté là avec les pierres, que j'avais eu du mal. Alors, je vais noter aussi que cette session, je l'avais déjà faite. J'ai eu un souci avec la capture, du fait que bon, j'ai mis les drivers de ma carte graphique à jour. Et du coup, le logiciel, eh ben, il capturait plus. Donc, c'est un peu la meilleure, mais bon, c'est ce qui s'est passé. Donc, on va revoir ça ensemble, cette petite session. Donc avec ce jeu j'ai pas mal de soucis, mais bon on va quand même arriver au bout. Là j'ai pas moyen d'y aller plus rapidement parce que c'est vachement loin. Je suis là. Mais c'est d'aller là. Ouais, donc là ça a l'air de capturer. Là j'ai changé le type de fenêtre. Sinon ça marchait pas. Moi ça marchait plus, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont changé, mais bon en tout cas ça a affecté le jeu. C'est embêtant ces loups, ils réfléchissent pas beaucoup hein. Allez hop, on avance. Non, hein. On voudrait que ça va plus vite. Bois le reste. Oui, oui, merci Moira, je n'ai plus besoin de toi. Ces herbes dissipent les brumes de mon esprit quelque temps. Depuis quand cette femme en prépare-t-elle pour toi ? Viens-en au fait, Eivor. Dis-moi ce que tu as appris. Quelles sont les nouvelles du Nord ? Les Pictes ont été repoussés. Nous avons pris leur vie et leur trésor. Faravid m'a demandé de t'apporter ceci.
C'est une provocation! Paravid empoisonne le vin qu'il m'offre. Ses coupes sont une farce cruelle. Il se moque de moi! Nous avons mis la main sur des tonneaux de vin noir de Franci. Il a dit qu'il te revenait. Je l'ai obligé à en ouvrir un. Nous avons bu ensemble. Ce n'était pas du poison. Parle franchement, Eivor. Complote-t-il contre moi ou non? A-t-il des secrets? Donne-moi quelque chose d'utile! Tu dois maintenant choisir entre la trahison et la folie, entre le crochet du serpent et la morsure du loup enragé. Faravid m'a demandé de garder le silence, mais Halfdan attend la vérité. Si je manque de prudence, ces mensonges finiront par s'accumuler. Ton silence devient sinistre, ami des loups. Faravid a prévu une attaque contre les Pictes à Madnis, et cela sans toi. Sa soif de gloire a triomphé de lui! Quand? Dis-le-moi! Je ne le saurai que lorsque je le reverrai, en un lieu appelé les Wolds. Entendu. Vas-y. Observe, écoute, et mets au jour tous ces mensonges. Et si tu crains le poison, Seigneur, tu dois te méfier de tout, même des breuvages de Moira. Impossible! Moira est à mes côtés depuis longtemps. Ce n'est pas une sorcière, elle est douce et... Tu devrais peut-être lui parler, tâcher d'en savoir plus. Elle habite à Donnécastre, près d'ici. Si tu apprends quelque chose, retrouve-moi au nord de Donnécastre. Un de mes éclaireurs y a appris des choses étranges. Allez, Berton, on va se promener jusqu'au temple. Ok. Il faut que j'aille voir Moira à propos de ses préparations pour Halfdan. Chemin nord. Sud. On va au sud, hein. Sois mes yeux, Sinin. On l'a fait sortir, c'est pas ça. Moira n'est pas là. Lettre urgente. Chère sœur Moira, nous avons discuté de l'état de santé de ma femme lors du festin, mais je pense qu'il a empiré. Je crains qu'elle ne se réveille plus. Je t'en prie, viens au plus vite à Vicky. Cette lettre provient de Wick. Elle a dû aller là-bas. On va y aller. Tu dois aller à Wick et trouver Moira. Là, il n'y a pas moyen d'aller plus rapide. Là, je crois que c'est... On va aller là. Hop, le cheval. Ouah, ne va pas si vite. Si, faut que j'aille plus vite.
Ah, mais c'est fou le nombre de flottes qu'il y a. Bon, fais avec, hein. C'est un petit village. La maison de Moira ne peut pas être loin. C'est souterrain, Julien. Là pour trouver ça. Je me rappelle plus. Je l'avais fait juste. Donc, peut-être là. Là, le truc est bugué, hein. Déploie tes ailes, Sinin. Sors de là, toi qui aimes les païens. Alors là, il faut monter en haut. Il y a des deux moyens de rentrer. Page de journal. Dieu me met-il à l'épreuve? Y a-t-il placé un païen, quelqu'un qui rejette l'amour et le sacrifice du Christ, afin d'éprouver ma capacité à aimer autrui, à aimer mes amis, mes ennemis, afin que je puisse oublier ceux qui sont morts du même fléau que celui qui semble affecter Alfdan? Mère, tu m'as appris à aimer tous les gens, alors même que mes frères me rejetaient. Je le fais de mon mieux, mère. Hélas, à l'époque, cela n'a pas suffi à te sauver. J'espère qu'il n'y en ira autrement cette fois. Moira. Il faut partir, avant qu'ils ne réduisent ta maison en cendres. Je ne peux pas sortir. Ils se saisiraient de moi pour me conduire au bûcher. Très bien. Je vois deux moyens de s'en sortir, et tous les deux risqués.
fais ce qu'il faut, mais vite. Je place ma vie entre tes mains. Je suis aussi doué avec les mots qu'avec les armes. Ce ne sera pas facile de les convaincre, mais je devrais pouvoir y arriver. Vas-y alors, je te suis. Rentrez tous chez vous. Je vais m'occuper de cette femme. Et de quel droit es-tu sur le trône de la Northumbrie, toi ? Je suis l'ami des loups, tueuse d'hommes, nourrisseuse des corbeaux. Reculez, ou je porterai vos os autour du cou. Mon Dieu, calme-toi. Nous ne faisons que protéger notre hameau. Dis à Aldan qu'on la lui laisse. Maintenant, laissez cette femme tranquille. Si l'un de vous pose les yeux sur elle, c'est la mort qui l'attend. Moira, il n'y a plus rien à faire. Ah là, ça bug, ça m'a déjà fait le coup lors de ma première session, donc ce que j'ai fait c'est revenir à l'écran titre et puis j'ai essayé et après ça a marché. D'ailleurs il y a pas mal de choses qui bug ici là, donc on a déjà vu la petite ressource là, la petite richesse hein. Il fallait pour déplacer le bloc, il fallait le déplacer du côté gauche hein. Ça marchait pas autrement et on l'a vu qu'il s'est complètement sorti du sol, ce qui est pas du tout logique. Moi qui avait un interrupteur, mais c'est bizarre. Et il y en a un autre endroit que j'ai pas compris d'ailleurs. Alors soit j'ai pas compris comment où il fallait aller, soit il y a aussi un problème. Alors je vais vous le montrer quand même. Une grosse richesse en fait, c'est que j'ai pas tout à fait saisi malgré mes recherches. Voilà, on y est. Rentrez tous chez vous. Je vais m'occuper de cette femme. Et de quel droit es-tu sur le trône de la Northumbrie, toi ? Je suis l'ami des loups, tueuse d'hommes, nourrisseuse des corbeaux. Reculez, ou je porterai vos os autour du cou. Mon Dieu, calme-toi. Nous ne faisons que protéger notre hameau. Dis à Aldan qu'on la lui laisse. Maintenant, laissez cette femme tranquille. Si l'un de vous pose les yeux sur elle, c'est la mort qui l'attend. Moira, il n'y a plus rien à craindre. Voilà, là, ça marche. Nous serons en sûreté ici. Merci, Eivor. Je te dis mille fois merci. Dis-moi, ton breuvage, le boirais-tu ? Je le ferai volontiers. D'ailleurs, j'en bois de temps en temps, pour vérifier que ce n'est pas trop amer avant de l'offrir à Halfdan. Quand tu dis qu'il n'y a pas de remède à l'affection de Halfdan, tu veux dire que c'est la tête qui est touchée ? J'en ai peur, oui. Ma mère a souffert de la même maladie. Le corps se brise, et l'esprit suit peu à peu le même chemin. C'est terrible. J'ai besoin de ton aide, Moira. Que mets-tu dans les breuvages que tu prépares pour Halfdan ? Oh, diverses choses. Laisse-moi réfléchir. De la lavande, du romarin, de la reine des prés, de la millefeuille, des herbes apaisantes courantes. Je dois retourner voir Halfdan. Il a dit qu'il serait au temple de Brigantia. Aborde prudemment ce sujet avec lui, et seulement si cela s'impose. Ok, ça c'est bon. Alors on va faire ça.
Les armes sont prêtes et polies. Si jamais tu veux lancer. Salut à toi, guerrier. C'est toi qui gardes ce domaine ? Oui, je suis Gotafrid Beltenu, Drengr renommé de la grande armée païenne, casque d'or de confiance de Ragnar Lodbrok. À l'heure où je me fais vieux et décati, je désire un combat loyal et honorable. Je tiens à la dignité dans le vacarme de ma mort. Ton apparence incite au respect. Mes atours de guerre sont impeccables, entretenus avec soin. C'est Ragnar qui m'a enseigné le respect de soi lorsque nous avons campé ici. Une conscience nette, des serments respectés, et une loyauté sans tache valent davantage qu'une armure fraîchement époustée. Une digne pensée. Bien, acceptes-tu ? Je ne réclame qu'un combat loyal et fidèle à l'honneur. Puisse Odin nous rendre visite pendant cette danse. Combattons ! Prépare ta tenue, elle verra une dernière fois couler le vin de Corbeau. La vieille villa où le Drengr immaculé tenait sa cour. Les armes sont émoussées et inquiétantes. Nous ne pouvons utiliser que les instruments les plus tranchants. Odin, emporte cette arme. Allez, ça bug. Allez. Ouais, je peux pas lui parler. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il disait qu'il était rouge en l'instant, j'ai rien compris. Mes blessures saignent proprement. Merci pour ce dernier champ de fer et de coups parfaits. Rejoins ton étincelante victoire. Adieu, honorable Drengr. Alors ensuite on a... Ensuite il faut aller là. On peut aller là direct. Parce que l'autre endroit on va y aller. Donc, la première fois là quand je l'ai fait, j'étais allé à l'autre sens. Et en fait c'est pas la peine. C'est celui-là là-bas. Thank you.
peu. Une grosse richesse, ça arrive un petit peu. On va peut-être aller d'abord régler la quête. Alfdan, ravi de te voir ici. La nourrisseuse de corbeaux. Fais silence. Je traque une bande de traîtres qui rôdent dans ce marais. Qui t'a dit qu'il y avait des traîtres ici? Un éclaireur. Il m'a demandé de le rejoindre, mais il demeure introuvable. Va jeter un œil et dis-moi si tu vois quelque chose. Alors, ouais. Mais il faut pas que je fasse ça d'abord. Que vois-tu, Sinin? Il y a un passage dans l'eau, alors maintenant faut le retrouver. Hein. Faut récupérer la grosse richesse. Hein. Pour l'autre point, c'est différent, c'est en haut. Avec ça, avec leur photo là. Alors bien sûr, c'est assez loin. Aïe aïe aïe, ils m'embêtent avec ça. Allez, la sortie. Bon, je suis pas sorti de l'autre sens, c'est pas grave. On a ce qu'on voulait. Donc maintenant, pour l'autre point, voilà. Là on le voit clairement, c'est assez facile. Ça a été mis en route. La quête. Il est mourant. Je dois le ramener au sol. Je crois qu'il y avait quelque chose ici, maintenant. Qui doit déconner. Ça y est, il me rebug. Vous devez être un ami, mais c'est pas vrai. Oh là, la flûte. Hein. Oh là là.
N'importe quoi. Vous devez être anonyme. Ben ouais, mais je suis anonyme. On recommence, hein. Alors, je sais pas jusqu'à où il va me demander de recommencer, mais en tout cas, il y a une partie qu'il va falloir refaire. J'ai trouvé ton éclaireur, mais il est gravement blessé. Olav. Pauvre Olav. Je veillerai à ce qu'il ait de belles funérailles. Franchis le pont, mon vieil ami. Je te reverrai de l'autre côté. Béanton retrouvera les assaillants. Vas-y, le chien. C'est bien. Suis leurs traces. Retrouve-les! Nous recouvrirons la terre de leur sang! Qui sont ces hommes que tu soupçonnes de trahison? Des voleurs qui m'ont privé de mon butin. Ça a l'air abandonné. Tu es sûr qu'il y a... La piste s'arrête et il n'y a personne. Ok. Ça, c'est l'autre endroit où on n'est pas allé exprès. D'ailleurs, parfois... Il est tout en haut le parchemin. Bon, c'est à peu près, grosso modo, ce que j'avais fait, j'avais pas fait plus. Parce que, d'une part, le chemin, j'avais pas fait comme il fallait forcément. Et de l'autre part, j'ai un blocage ici. J'avais un blocage, j'ai pas compris. Comment avoir la richesse? Alors, soit il y a. C'est bugué, soit j'ai pas trouvé encore comment faire exactement. Parce que j'ai une idée de comment on pourrait avoir, mais j'ai pas trouvé le chemin pour y aller de la table. Bon, on va voir ça ensemble. Déjà, on va commencer par descendre. On va suivre le truc qu'on voulait maintenant qu'on a l'artefact, donc on descend là en bas. Facile, hein. Là, ces canalisations ont éclaté et inondé le tunnel. Regarde, ah oui, bon. Elle traverse ce mur. Est-ce qu'il y aurait d'autres salles plus loin? Là, une entrée cachée. Peut-être sont-ils en dessous. Il y a quelque chose là. Attends, nous allons trouver un passage. Un coup de main par ici! Ces Romains, ils étaient de bons artisans. Ces salles sont vastes et décorées, et regorgent de tuyaux. Ils ont pourtant tous disparu comme leur dieu.
C'est ce que disent les livres de Moira. Ah, là, tu vois? Du trésor de guerre. À moi, dont on m'a privé. Je suis cerné de toutes parts, Eivor. Par des malfaisants, comploteurs. Le lot des rois et des jarls. Ton territoire est vaste et riche. Chaque jour, mes décisions forgent la vie de milliers. C'est un fardeau que peu parviennent à porter. Mais moi, je le fais. Tu as parlé à Moira. Qu'as-tu appris? Elle te veut du bien. Je ne pense pas qu'elle t'empoisonnerait volontairement. Elle a aussi dit qu'elle avait déjà vu ta maladie, dans sa propre famille, et qu'elle progressait lentement, mais était incurable. Non. Non. Ce n'est pas une maladie. C'est le poison. Quelqu'un parvient à m'empoisonner. Chut. Écoute. Sûrement les voleurs qui m'ont pris mon tribut. Là, cette porte, j'ai pas vraiment pas compris comment faire. L'autre côté doit être barricadé. Parce que là, il nous donne des flèches comme s'il y avait des flèches pour la ouvrir. Mais j'ai pas trouvé du tout. Parce que là, en bas, on a une grille, mais il y a rien. On peut peut-être y aller, cette grille, c'est ça que j'aimerais bien savoir. Mais j'ai pas trouvé. Et il y avait encore un autre endroit d'atteinte de la pièce, mais ça marche pas non plus. Alors on va une fois finir la quête. L'ami des loups et Halfdan, parfait! Venez vous remplir la panse d'hydromel. Vous m'avez volé ce tribut, qui me revient de droit. Il m'était destiné. On n'a rien volé, c'est Faravid qui nous l'a donné. Après une dure journée de combat. Et vous avez aussi tué mon éclaireur Olaf pendant cette bataille. Votre frère d'armes, il devait mourir pour ce tribut. C'était Olaf? Oh, l'idiot! On l'a pris pour un voleur. Les seuls voleurs ici sont ceux qui boivent mon hydromel et soupèsent mon argent. Vous, tas de lâches et de traîtres! Nous méritons ce butin, Jarl. Au titre des combats gagnés et du sang versé. Dis-lui, Eivor. Ils n'ont pris que leur juste part. Vous n'êtes que de la vermine, mais... Eivor semble penser que vous méritez ma pitié. Alors, je vous l'accorderai cette fois. Rapportez mon butin à Don Ecastre, et j'effacerai cette journée de ma mémoire. Je ne peux pas. Cette part est à nous. Nous avons combattu, tué et saigné pour ça. On peut nous priver de gloire, mais nous méritons au moins notre dû. J'en ai assez entendu. Ils m'ont forcé la main. Maîtrise ta peur, Halfdan. Sinon, elle t'empoisonnera l'esprit. C'est Faravid qui l'a tué, pas moi. Il m'y a contraint par ses manigances et... Pardonne-moi, j'étouffe dans ses fourrures. La journée doit se réchauffer. Tu dois retrouver Faravid, n'est-ce pas? Oui, au Wolds. Oui, je connais ce lieu, il est sur la route entre Jorvik et Pitcheringa. Ne le lâche pas, Eivor. Ne lui laisse aucun répit et apporte-moi la preuve de sa traîtrise ou d'autre chose. Aucun droit. Il n'avait aucun droit de... Il est bien siphonné, hein. Un poisson. Bon, le problème avec
là, la pièce, c'est que j'ai pas personnellement trouvé comment faire. Alors soit le truc il était bugué, soit c'est que je suis pas capable de trouver son mot. Parce que quand on va là, on peut aller en dessous et on se retrouve de nouveau au niveau de la pièce. On voit qu'on peut casser la porte, mais c'est pas aussi simple. Il y a autre chose de l'autre côté qui nous barre le passage, mais j'arrive pas à la déplacer. Quoi. Personnellement, elle se déplace pas. Et du coup, j'arrive toujours pas à ouvrir. Là, on voit le truc de la porte, mais on peut pas la viser. Ah, je peux faire comme je veux. Perso, j'ai pas réussi à la viser. J'ai essayé par en haut, ça marche pas non plus. On voit, il y a du poison, et on voit aussi, il y a une grille, et c'est pour ça que je me suis dit, bon, si j'arrive à avoir l'autre côté, peut-être qu'il y a moyen d'atteindre la porte. Parce qu'apparemment, il faut tirer sur la porte, mais vu que j'arrive pas à atteindre la grille, de l'autre côté, je peux pas tirer sur la porte non plus. Et là, c'est fermé aussi, donc. C'est assez complexe. J'essaie comme je veux. Je n'arrive pas à le cibler. Ça ne veut pas le cibler. Et on peut pas le bouger, lui. On devrait, hein, mais ça bouge pas. Donc voilà. J'ai essayé là. La flotte, hein. Il n'y a rien, aucun passage. Pourtant, il y a bien un truc, à part ces passages-là qui servent à rien en fait. Et ça revient sur l'autre pièce. Qu'on connaît déjà. Perso, cette richesse, j'ai pas encore compris. Très bizarre cette pièce. La prudence s'impose ici. Après, c'est du poison, je me demande si le poison on peut pas le faire exploser. On va essayer. On est petit point, je pense pas que. Ah, ça sert à rien du tout. Mais là, on le voit clairement, il y a une grille de l'autre côté, quoi. Alors, je me demande comment l'atteindre, la grille. Est-ce qu'on peut atteindre la grille ou pas de l'autre côté? En tout cas, j'ai pas trouvé. Donc, j'ai pas du tout réussi à avoir cette richesse. Je la trouve assez balèze. Là, on voit l'autre passage qui ne sert à rien. Grille sert à rien non plus, c'est toutes les grilles. Là aussi, on a le truc, mais. Donc, du coup, on peut mieux voir. Non, c'est pas. Ça nous permet de voir l'autre côté. Bon, en tout cas, je vois une grille de l'autre côté. Ça doit être bloqué depuis l'autre côté. Il y a une grille de l'autre côté. Et du poison. Mais incompréhension pour arriver à atteindre cet endroit. J'ai pas trouvé. Pour l'instant, je vais laisser de côté. Peut-être ça me viendra à l'esprit plus tard comment faire, mais sur le moment, j'ai pas trouvé. Je trouve ça costaud. Alors, pour celui-là, ouais, bon, on peut aller encore à faire celui-là, du coup. Encore un peu temps de faire ça. Et essayer de remonter vers le mystère.
voyez une clé, elle est où? Il y a deux richesses, donc une grosse et une petite, et la clé. Pourquoi avoir mis ça là? Par contre, je l'avais pas fait. Hein. Là, on est en train de continuer des choses que je connais pas. Donc, simplement plus rapide que la première fois, hein, c'est assez normal. Ah, mais il y en a plus bien des deux. Pas beaucoup de richesses, Vina. Je crois qu'il y a deux batailles de monastères ici. Ça explique pourquoi il y a tellement de richesses. De pourriture flotte dans l'air. C'est encore un fou. Halt! Qui a dit halt? Hey, t'es qui toi? Tu n'as plus nulle part où aller. Je t'en prie, ne me fais pas de mal. Que fais-tu seule ici? Je vis auprès de ma famille. La flétrissure les emporte tous, mais je refuse de les abandonner. La flétrissure? Un mal qui passe souvent inaperçu, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Tout le village l'a eu. Il affaiblit l'esprit, il rend plus colérique, avant de finalement entraîner l'immobilité de la pauvre âme frappée. Pars d'ici, petite. Ta famille va bientôt mourir et ce village ne peut plus rien t'apporter. Mais... papa... maman... Ils trouveront la paix dans la mort. Toi, vis, car tel serait leur souhait. Je... Inutile de s'accrocher sans raison à ce qui est déjà perdu. Je vais partir. Tiens, voici une clé si tu désires aller voir les malades.
et je dois partir. Je n'ai pas le courage d'y retourner. Ce village laisse un héritage bien amer. Mais ainsi va le monde, hélas. Ce mal affecte le raisonnement de ses victimes. Page journal déchiré. Papa est très souvent en colère en ce moment, surtout après maman. J'aimerais qu'il arrête de se jeter des choses. On dit que papa est malade, mais sans dire que c'est ce que c'est. Nous buvons beaucoup d'eau et nous mangeons pour rester en bonne santé. Qu'est-ce qui se passe? Il reproche à maman de mal cuisiner. Je crois qu'il est devenu méchant. Maman aussi est malade. Maintenant, elle devient comme papa. On a mis papa dans une autre maison. Papa et maman me détestent. Ils veulent une autre version de moi. En mieux. Ils ne m'aiment pas. Non, ils veulent me jeter dehors. Ne plus jamais me voir. Ils veulent me jeter dehors. Bon. Non! Un démon! Cela ne les sauvera pas. Mais cela allégera peut-être leur souffrance. Quelle puanteur! Ils ont beaucoup enduré, semble-t-il. Une liste de noms et d'âges. Tous sont morts d'un mal appelé la flétrissure. Ehrenberg, 5 heures, emporté par le mal la semaine dernière. Elefrida, 27 ans, emporté par le mal 3 jours plus tard. Brenshock, 29 ans, emporté par le mal juste après sa femme. Vilfird, 36 ans, emporté par le mal 5 jours plus tard. Elle, 28 ans, emporté par le mal 3 jours plus tard. Bon, bah les gars. Derrière, je crois qu'il y a trois trucs. Il y a aussi un là. Lieu, nom de couvert. On est plus haut dans Hershey. Ouais, c'est toujours la même partie. Bon, bah, on va traverser. On va aussi voir le cavalier en même temps pour savoir qui c'est. Ça, je sais comment il s'appelle. On terminera avec ça. Hein. Voilà. Ok. Protégé par un ours ou deux. Il a pas envie de venir. Ils sont deux.
bien, hein. Fermé, ça. Elle va arracher. Ok. Encore. Coopérons. Allez. T'as compris que c'est pas fort. Tu vas mourir. Allez, à qui il y aura des soldats. Il y en a plein en bas, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est rempli d'ennemis. Une tête de moi. Attention à ce plante. Cette poussière a de la retraite. Je m'attendais pas qu'il y avait tellement de monde. Ça c'est peut-être lié à l'histoire. Les vols ou pas? Là je suis pas du tout dans les vols, je suis autre part, mais bon si, peut-être, parce que c'est là qu'il fallait aller. Coincé, je dois passer de l'autre côté. C'est un autre côté.
Maintenant, pour l'autre, c'est notre histoire. Ça, c'est la truc qu'on a ouvert, là. Ah non, c'est autre part. Ok. Un tour tout ça pour avoir. C'est là, je crois. Maintenant, c'est là. S'arrête ici, on reprendra la prochaine fois. Non, ça c'est le col bouclé, ça n'a rien à voir avec. Bon, en tout cas, on a pas mal de choses à faire un peu partout. Il y a pas mal d'auteurs aussi. Il y a trois... quatre. Ah non, il y en a quatre si je comprends. Non, ça on est dans l'autre partie. Ouais, il y en a trois des trucs de moines. Il y a encore toute cette partie en haut qui n'ont découvert là. Il n'y en a presque fait aucun mystère jusqu'à présent. Eh bien. Bon, ce sera pour la prochaine fois la suite. Alors là, on va faire du jaune, je pense. Je crois qu'il en reste encore du jaune. Ont pas été faits en bas. Voilà, on va voir du bleu. Là, qui traîne là. Voilà, là il en manque tout là, mais on verra ça plus tard. Faire un peu de rouge. Celui-là qui traîne tout seul. Voilà. Bon, Agan est une aptitude. Je sais pas où. Ah, c'était une que je n'avais même pas encore. Coup de pied de tir. Féroce coup de pied expédiant les ennemis dans les airs. À reculons,
Les ennemis heurtent des objets ou d'autres ennemis subissent des dégâts supplémentaires. Ouais. Voilà, épaisse tunique du Feng. Et dans l'ordre, on a mis. Ah, c'est un de ce côté-là. 280 Kalin. Il y en a 6 qui sont pas encore découverts. Ou de ceux-là du scénario principal. Voilà, on va s'arrêter là, les amis. On va sauvegarder. Ah, ça y est, il veut pas que je sauvegarde. Bon, on va peut-être. On va aller là vite fait alors. On verra si on sauvegarde après. Je sais pas pourquoi, par moment, il veut pas qu'on sauvegarde. Peut-être est-ce que je suis dans une zone ennemie. C'est une possibilité, hein. Pas de bateau là. Il est tellement loin le bateau, c'est pas la peine. C'est bon, vous pouvez y aller. Oh, faut monter, hein. Des coups, vous en faites. Je sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient là, ces brigands, mais ils étaient là.
Prochaine fois, Riker, Nita et tout le bordel. Cette zone est quand même énorme. Hein. Bon, si ça c'est lié aux brigands, je les ai déjà tués. Hein. Enfin bref, allez, on s'arrête là. Cette fois-ci, j'espère bien qu'il ne veut pas me bouger. Voilà, bye bye les amis.